Salut à tous, c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo sur le patch note, puisqu'il va y avoir pas mal de choses, et notamment des choses qui m'ont pas mal hypé. On commence direct avec un free equip qui se déroulera du 22 juin jusqu'au 25 juin. Et au niveau de l'heure, tout dépendra un petit peu de votre fuseau horaire comme d'habitude. Je rappelle d'ailleurs que ce week-end, ça sera un week-end avec les trois bonus à la fois. On aura donc l'aventure pour farmer l'aventure, l'expérience et les stigmates. On aura les runes pour monter vos héros et vos évolutions. Et on aura bien évidemment les chasses pour récupérer des golds et des matériaux de fabrication en quantité supérieure. Au niveau du code du coffre, ça va être Speed Farm. Je vais vous le poser directement dans la description de la vidéo ainsi que sur Discord si vous voulez le copier-coller directement in-game. Et pour ce patch note, il y aura pas mal de choses. Comme d'habitude, on a la petite vidéo preview, donc ça on regardera en fin de présentation du patch note. Et on va directement commencer avec la nouvelle saison de RTA, la saison Bravoure, qui commencera le 24 juin. Du coup, comme vous pouvez le voir, le nouveau personnage de la saison, ça sera LRK Last Rider pour la version ML de Crow, qui aura un skin. Alors moi, j'aime déjà beaucoup le skin de base du personnage. Du coup, je m'attends à du très très lourd au niveau de son skin. Je vais mettre la barre assez haute, franchement, parce que je pense pas que c'était le héros qui avait le plus besoin d'un skin. Donc, j'espère qu'il aura un skin incroyable. Au niveau du cadre... en fait, finalement, comme les saisons précédentes, je les trouve pas incroyables, à moins de finir légende, voire empereur. Sinon, en dessous, franchement, je les trouve tout le temps décevants, donc ça change pas de d'habitude. Par contre, le fond d'écran a l'air vraiment exceptionnel, je pense qu'on le verra en un peu plus gros dans la vidéo. On regardera ça un peu plus tard dans ma vidéo. A partir de demain, on a la nouvelle ML, ML Rowena, on en a déjà parlé. Personnellement, je trouve que son kit de sort est un petit peu bancal, du fait que elle a déjà un malus de Politis dans son passif. Si son allié tout devant meurt, finalement elle ne rejouera plus jamais, donc elle est vraiment très dépendante de son allié. Et en plus de ça, je trouve pas ses dégâts très très convaincants. Après, peut-être que ça va être un personnage qui va bénéficier d'un up, peut-être qu'in-game elle sera incroyable, mais pour l'instant je compte pas dépenser ma pity dessus. Ça y est, on a enfin plus d'informations quant au combat en mode rapide. On va pouvoir maintenant farmer deux fois plus vite, je crois, ou en tout cas un pourcentage deux fois plus vite. Pas mal de contenu au niveau du PvE, donc ça fait vraiment plaisir pour dépenser moins d'énergie sur son téléphone, pour moins abîmer son téléphone, par exemple si on joue sur notre téléphone, pour dépenser moins de temps de jeu sur Epic 7, donc ça c'est plutôt sympa. On aura donc deux modes, le mode avec la flèche normale pour aller en x1, et le mode en accéléré avec les deux flèches. On a tout un détail des modes qui pourront être utilisés en mode rapide. Bien évidemment, tout ce qui va être PVP, ça ne sera pas possible. Par contre, au niveau du PVE, on aura bien l'aventure, histoire secondaire, chasse. Là, les chasses, c'est vraiment très intéressant. L'hôtel des runes, les abysses, pourquoi pas, labyrinthe, tour automate, ça fait plaisir pour aller un petit peu plus vite. Celle du calvaire aussi, ça peut être sympa. Expédition, les expéditions, c'est vrai que ça prend quand même 2-3 minutes à chaque fois, donc c'était quand même pénible. Là, ça va faire du bien, j'apprécie beaucoup ce genre de petit contenu sur l'expérience utilisateur. Je trouve qu'Epic 7 sont vraiment très forts à chaque fois qu'ils nous font une mise à jour dessus, elle est toujours excellente. On a ensuite la carte de profil, c'est vrai que ça aussi pareil, ça faisait quand même 2-3 semaines, voire plusieurs mois, on en entendait parler, on n'avait toujours pas vu la sortie du contenu. Ça y est, on est fin du mois de juin, donc forcément ça sort, on a plein de petites infos. Et la grosse dinguerie, moi j'adore ce petit truc, c'est un peu genre l'IPNIS d'Epic 7. Donc là on a la présentation de la carte, on peut choisir soit un petit chibi, et moi vous savez que j'aime beaucoup ça si vous regardez un petit peu mes vidéos sur Reddit, c'est le genre de petit truc que j'aime bien, que les fanarts font souvent. Soit on pourra choisir un personnage, donc là ça va dépendre un petit peu des personnages qu'on a dans notre box. Mais par contre, au niveau des personnages chibi, on en aura 3 gratuites, on aura Puride, on aura Aeride, on aura Meruhin. Mais par contre, il y aura la possibilité d'en acheter d'autres contre 300 pierres à ciel. Donc là, à voir si vous avez un petit coup de cœur, si vous voulez la collection, pourquoi pas. Ça reste raisonnable, même si quand même 300 pierres à ciel, c'est toujours bien de les garder pour les invocations, surtout sur Epic 7 actuellement, entre les limités et les collabs. J'ai l'impression qu'on a tout le temps un truc à invoquer, du coup les pierres à ciel, ça devient vraiment une ressource assez rare. Et on pourra changer des fonds d'écran, des badges, etc. Et moi, je veux surtout vous parler des badges. C'est ce qu'on pourra mettre sur sa carte de présentation. Et il y a des gros gros badges, des grosses dingueries pour les joueurs qui sont investis depuis très longtemps sur Epic 7. On va être récompensé pour les joueurs qui sont très très hauts sur Epic 7. Il va y avoir des grosses dingueries. Je pense que ça sera rétroactif, c'est-à-dire que si vous avez déjà validé un badge, j'imagine que vous pourrez directement le récupérer à partir de demain. Et vous allez voir, il y a quand même des grosses dingueries, donc on a des bases un petit peu tranquilles au début. Ensuite, on commence à avoir des gros badges, comme par exemple atteindre
1500 jours de visite consécutive sur Epic 7, donc ça c'est une grosse dinguerie. 1500 jours, ça fait quasiment 5 ans de jeu consécutif, c'est-à-dire que bah, vous avez quasiment jamais lâché l'affaire sur Epic 7, donc lui va être très rare, mais vous allez voir, ce n'est pas le seul. Atteindre 3000 points de mission d'Axicar aussi, il n'est pas facile celui-là. Des points de réputation, posséder 1 milliard de gold, celui-là aussi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent l'avoir. Collectionner 280€ dans le journal, et regardez celui-là, le 13, posséder 5 équipements ou plus, avec une stat secondaire à 25 de vitesse ou plus. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est insane, 5 équipements, c'est même pas genre un équipement, c'est 5, celui-là, ça va sans doute être l'un des plus rares du jeu. Si vous voyez quelqu'un avec, il a un compte de fou, ça c'est sûr. Après, on a atteint la Ligue Légende en arène, il y a pas mal de choses aussi, remporter 10 000 victoires, ça va être assez long. Franchement, il y a vraiment des trucs très très lourds, il y a deux très très gros badges à réussir. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et bien sûr, on va pouvoir terminer avec le 21, réussir 50 000 fois la chasse niveau 13 ou plus. Donc vraiment, il y a des très très gros badges. Pour les joueurs qui sont très avancés, on verra vraiment la différence avec eux. Bon, ça fera un petit peu esprit Ipenis. Mais peut-être que c'est ce qui manque un petit peu sur Epic 7 pour motiver un petit peu les gens à continuer à jouer. Donc voilà. Ensuite, on a toujours la deuxième partie de l'histoire secondaire spéciale, c'est l'été. Donc là, un petit peu la suite de la semaine dernière, on a le porte-clés oiseau en guise de deuxième monnaie d'échange, et il va être augmenté par toujours l'artefact de Charlotte Vacancia, lunette de soleil élégante, ainsi que le deuxième artefact gratuit de l'event, c'est le chariot. Au niveau des catalyseurs, ça va être la carte d'étudiant de Rengar, plus le circuit du temps des rêves et le flash mystérieux. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est les catalyseurs de Holiday Yuffie, donc peut-être qu'elle va revenir d'ici peu. Et on a une grosse amélioration et une correction des packs. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses, alors j'ai pas encore tout lu, du coup je vais regarder un petit peu avec vous. Alors, l'achat déjà va être limité à une seule fois par compte et ça prendra effet à partir de demain. De nouveaux packs seront ajoutés, conditions d'achat disponibles pendant les 12 heures après avoir rempli la condition requise pour chacun des packs. Ceux qui sont déjà sur le jeu, le pack soutien des héritiers, nanana, peu importe. Donc, pour notre premier jour de jeu, et si on a atteint le rang 5 sur son compte, on aura des packs soutien des héritiers. Je pense que je ferai peut-être une vidéo à part pour les nouveaux joueurs, parce que c'est vrai que là, j'ai l'impression que ça concerne beaucoup les nouveaux joueurs, et je pense pas que ce soit très rentable, on verra les prix demain in-game j'imagine, mais en gros pour le premier on aura des catalyseurs, des gold et des invocations. En vrai le pack 2 pour les invocations, pourquoi pas, même si maintenant on a quand même pas mal de gratuites. Pour le deuxième jour de jeu, atteindre le niveau 10, donc ça c'est vraiment pour inciter les gens à continuer à jouer à Epic 7 et à pas se lasser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent et qui arrêtent très très tôt. Là on aura un petit peu des livres, des invocations. Le jour 3, bon, on va pas trop s'attarder, j'ai l'impression que c'est vraiment pour les débutants. On a des talismans et des gold. Le jour 4, on a quand même 3 invocations galaxies, donc pourquoi pas, plus des invocations journalières encore une fois. Le jour 5, bon, c'est un peu tout le temps la même chose, hein, des livres, des invocations. On a des tickets de skin. Par contre celui-là il peut être intéressant pour les tickets de skin, celui du jour 6. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de skins maintenant pour les nouveaux joueurs qui les ont ratés, ça peut être l'occasion d'en récupérer. Après, il faudra toujours voir le prix in-game, ça peut coûter assez cher simplement pour des skins. Et le dernier jour, donc c'est seulement pour les 7 premiers jours sur notre connexion sur Epic 7, on a encore des catalyseurs et des invocations. On a encore d'autres packs pour les débutants, donc ça met le paquet pour les débutants, limité à une seule fois par contre, disponible après avoir terminé une invocation sélective. Donc là c'est à partir du 4ème niveau il me semble, on aura le pack invocation débutant avec quelques signés. Bon, ça m'a pas l'air incroyable, faudra voir le prix, ça se trouve c'est quelques euros, ça peut être intéressant. Ensuite on a des packs croissance de héros, une seule fois par contre, disponible pendant 7 jours après avoir terminé le niveau 4-10 de l'épisode 1. Donc là quand même assez tôt aussi, on va pouvoir avoir une potion pour monter les héros et quasiment de quoi monter les héros j'imagine. Entre tous les catalyseurs, je crois que c'est bien 33 ou 34. Lui c'est pareil. Des runes aussi, donc là c'est pour vraiment monter son premier héros, pourquoi pas. Et ensuite, regardez la grosse dinguerie, celui-là je l'ai vu, j'étais fan. Un pack avec un familier Emel dedans, je crois qu'il n'existe pas, c'est la première fois qu'ils le sortent. Je le trouve magnifique, hâte de voir combien il va coûter. Mais en tout cas, il me fait vraiment de l'œil ce petit familier, ça peut être sympa de farmer avec lui. Ça va être un familier de combat, donc pas de salon. Et après, on a encore un nouveau pack pour les familiers. Et obtenu pour la première fois à 4 étoiles, donc dès qu'on va avoir un family 4 étoiles, on pourra débloquer ce pack.
qui va nous servir à monter d'autres familles avec des tickets et tout. Bon, lui avoir le prix, mais je pense pas que ce soit très intéressant. Et lui, on n'a pas vu, c'est juste après avoir atteint le rang 25 pour le petit familier ML, donc pourquoi pas. Ensuite, on a des packs soutien. Bon, ça c'est pour les chasses, terminer la chasse niveau 6. Des coffres de matériaux de reforge après avoir atteint le niveau 55. Disponible 7 jours après avoir atteint le rang 51. Donc là pareil, on a une potion d'envol, des invocations, des leafs. Après le niveau 40 sur un héros, on a des pingouins. Bon, vous avez compris, ça va surtout être en fonction de notre progression. Donc je pense que c'est pour accompagner les nouveaux joueurs, les inciter à dépenser tout au long de leur aventure, avoir le prix des packs. Mais bon, sur Epic 7, on n'a pas trop besoin de dépenser pour ces packs, à voir peut-être pour les invocations pour les nouveaux joueurs, ou si vous avez la flemme par exemple pour les runes ou les catalyseurs, mais c'est pas vraiment indispensable pour progresser. Après, si vous voulez progresser plus rapidement, c'est tout à fait envisageable. Ensuite, bon, on a quelques petits changements pour les conditions des packs mystiques, on va pas s'attarder dessus. Ensuite, point important, on l'avait eu depuis très longtemps en mode teaser, un skin de Tierra. Donc pourquoi pas, Thierry Esprit Libre, hein, c'est bien la version MS, c'est pas la version RGB, qu'on va pouvoir récupérer assez rapidement en terminant toutes les quêtes dans le chemin de l'aventure. Donc quand on aura terminé les quêtes de Emel Thierra, on pourra récupérer son skin. Donc pourquoi pas, si vous l'avez déjà terminé, vous allez pouvoir la récupérer directement. Donc ça c'est bien pour ceux qui avaient déjà tout terminé. Et un point très important maintenant aussi, au niveau des combats, quand vous allez regarder les informations du combat, vous allez voir maintenant que les personnages qui vont être morts ont toujours leur ardeur au combat d'afficher, ils vont pas disparaître de la barre, et ça je trouve que c'est vraiment un très très gros ajout pour Destina, parce qu'on savait jamais vraiment quand ses alliés allaient être résus, parce que les alliés vont être résus avec la même ardeur au combat que lorsqu'ils sont morts, alors que par exemple si on résut avec Apocalypse Ravi, on va pouvoir avoir 100% d'ardeur au combat avec l'allié résu. Donc là je trouve que c'est vraiment un très bon ajout ça pour les joueurs de Destina. C'est vrai que c'était un petit peu la galère, surtout quand on n'a pas l'habitude de jouer Destina, quand on est un petit peu, je dirais, un joueur normal sur Epic 7, on fait pas spécialement attention à ça, et je trouve que c'est un très très bon apport pour mieux voir finalement quand il faut résu, quand c'est intéressant et quand ça peut être un petit peu risqué de faire sa résu, et plutôt tempo un ou deux tours, le temps que l'ardeur au combat soit idéal pour pouvoir résu avec Destina. Donc ça c'est top. Donc voilà, vous avez vu, grosse news quand même, il y a pas mal de trucs intéressants, bon il n'y a pas vraiment de contenu mais il y a des bonnes améliorations, et surtout ça y est, vu que la fin de saison est terminée au niveau de la RTR et qu'on commence la nouvelle, on a toutes les infographies sur tous les héros. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, parce que là ça va être assez long, on va en parler, mais si vous voulez que j'approfondisse un peu plus en profondeur, on pourra faire une vidéo dédiée. Donc là, ça va concerner la dernière saison, seulement pour les rangs champions, empereurs et légendes. Cette fois-ci, donc là ça va être les pré-ban. Bon, est-ce que ça surprend quelqu'un que Lua soit encore le meilleur pré-ban de la saison? Je ne pense pas, ensuite on a toujours aimé Elias, Angelica of Light, Amid, je ne pense pas non plus que ça soit très surprenant, et bien sûr on a toujours Belian et Zio, et après c'est un peu plus situationnel, selon votre gameplay, vous allez pouvoir par exemple ban Deadly, Karina, Politis, bon ça c'est des bans de cleaver, hein. En général, Ténébria Spectral qui est toujours bien respecté, moi je trouve ça assez choquant que la méta n'ait pas tant évolué que ça, au niveau des bans, on a toujours Lua à la même, enfin elle a gardé les plus de 60%, elle est pas assez bon de 66, ça c'est la saison dernière, ça c'est la saison, enfin il y a deux saisons, et ça c'est la saison précédente, on voit que bah, elle a quasiment pas changé, hein. Par contre ce qui a énormément changé, c'est que Belian, elle a pris quand même moins 10% de ban. C'est plus trop dérangeant maintenant peut-être d'avoir Belian. Après c'est vrai que avec la sortie d'Edward, Edward est quand même une bonne réponse à Belian, même si on veut cleave. Et puis de toute façon Belian contre les cleaves, c'est même plus tant un personnage très menaçant. Il y a quand même pas mal de héros qui peuvent s'en sortir contre Belian. Donc elle fait moins peur. Et du coup, bah, ça a remis Emel Ilias dans le haut du tableau, elle a gagné 3%, c'est pas énorme. Angelica of Light, et plus que la méta, bah en fait Angelica of Light c'est simple, elle a pris 10%, les 10% de Belian. Pourquoi? Parce que Angelica of Light c'est trop fort contre les compositions un petit peu agressives, contre les compositions cleave aussi. Du coup le personnage est juste trop chiant dans la méta parce que c'est vraiment le gameplay qui domine, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Angelica of Light est trop chiant contre ça, donc forcément le personnage est ban assez régulièrement parce qu'on a envie de tuer l'adversaire en un ou deux tours et on n'a pas envie qu'il y ait une Angelica of Light pour nous faire chier en face. Surtout avec le retour de toutes les AOE, il y a quand même pas mal de héros maintenant qui refont leur apparition et qui tapent en zone. Je pense notamment à Enos, j'en vois de plus en plus la jouer.
On a toujours on a Pera aussi qui revient, on a toujours Ran qui va taper en zone, il y a encore plein de héros qui peuvent taper en zone, donc forcément Angelica Offlight revient en force. Zio toujours plus ou moins au même pourcentage, en tout cas pour ce top, c'est à peu près la même chose. Harwell d'ailleurs, qui n'est plus du tout ban, hein. Harwell, de toute façon comme j'avais dit hein, de toute façon la saison dernière, Harwell pour moi c'est pas une solution anti-cleave, ça reste un bon héros, ça reste chiant à affronter. Mais il y a quand même des héros qui sont beaucoup plus forts qu'elle, donc c'est plus forcément un force ban. Voilà pour ça, après bon ça reste des héros assez méta, on va pas trop s'attarder dessus, le reste ça dépend surtout de vous. Et au niveau de l'évolution de la saison, donc là c'est début de la saison, milieu de la saison, fin de la saison, donc ça a quasiment pas changé. Hein. On a Lua, Emelias, Belian, on voit sa chute hein, de Belian, elle a été 3ème, après elle passe 5ème, 5ème elle a quasiment pas bougé, en fait c'est juste Hamid, je pense que là elle devait sortir, qui a commencé à gratter des barres, pareil pour Angelica Offlight, et pareil pour Zio, sinon ça va pas trop changer. Hein. À Rowell aussi, on voit qu'elle a baissé pour laisser place à soit Politis, soit Ran, soit Tenebria Spectra, donc en vrai ça va pas trop changer au fur et à mesure de la saison. Ensuite, les First Pick, bon, bah forcément, hein, sans grande surprise, Emel Ilias, quand elle est pas ban, elle est pick, hein, donc ça c'est pas très très surprenant. Harwell aussi, finalement ça c'est un petit peu surprenant, finalement quand elle est pas... Après, est-ce que c'est surprenant? Non, c'est vrai que quand on faisait de la RTA, là, au début de la saison, c'est vrai qu'elle a été tout le temps pick chez adversaire, moi je la prends plus trop, mais c'est vrai que c'est un champion qu'on voit très régulièrement en first pick chez adversaire, surtout si j'ai Emel Ilias, et après, bon, on a les héros forts, hein, toujours Emel Kaverick, Tenebria Spectral, Amid Lua si elles sont open, bien évidemment, Harwell, Zio, Apocalypse Ravi aussi, très bon pick, Adin c'est fort, Karina... Bon, après on va pas trop s'éterniser, mais je pense que ouais, jusqu'à le top 10, c'est pas des héros très surprenants, sachant que entre le top 6, je dirais 5, jusqu'au top 10-11, c'est des héros, si on les voit pas dans les first picks, ils sont dans les 2-3e picks parce qu'ils sont vraiment très forts et très contestés. D'ailleurs, on peut voir quand même hein, cette suprématie des ML. Bon, après pour les first picks, forcément, c'est plus évident de prendre des ML pour ne pas se bloquer au niveau de l'avantage élémentaire. Et on voit surtout bah, au niveau des éléments, on voit que bah, les glaces, la suprématie des héros glaces, hein, Hamid, Lua, Karina, les meilleurs personnages du jeu sont glaces. Et c'est pour ça que les personnages feu, à part quelques exceptions comme Politis, comme Jaco récemment, restent les personnages les plus éclatés d'Epic 7. Donc ça, ça illustre bien mes propos hein, dans certaines vidéos où j'en parle, on voit bien la domination de l'élément glace. Même Ran hein, ici qui est juste ici, donc voilà, et puis les ML, donc c'est assez classique pour ne pas se bloquer dès le début de la draft. Comparé à la saison précédente, on voit quand même la grosse diminution d'Harwell hein, qui est passé de première à 24% à 8% pour laisser place à ML Ilias qui était quand même à 20%, là elle passe à 30%, elle est encore plus populaire parce que le pick ça sert bien dans tout type de composition, qu'on soit cleave, qu'on soit stall, qu'on soit agressif, elle fonctionne très bien, surtout dans les méta un petit peu agressifs, elle permet d'adapter vraiment son gameplay à l'adversaire, donc elle est très versatile et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle est très forte. Au niveau des first pick, là c'est au cours de la saison, bon j'imagine que ça a pas trop changé. On voit juste Harwell d'ailleurs qui a un petit peu baissé. Autant au tout début elle était pique et puis là bam elle est un petit peu tombée au détriment de Emel Kaverick. Forcément Emel Kaverick c'est très très fort. Alors c'est vrai qu'il avait un peu une perte de vitesse la saison précédente, donc au tout début de la saison précédente, et là il est revenu en force. Parce que bah c'est trop fort dans beaucoup de gameplay, ça permet de contrer les malus, ça permet de contrer Emel Ilias. Donc forcément le pic revient en puissance. Et bon après ça reste assez classique, hein. Hamid, Astené, Harwell. Harwell qui revient hein, dans les premiers picks, elle a fait son petit up de 8 à 6. Bon après elle est repassée à 6, à 8 pardon, sinon ça n'a pas trop changé. Ensuite au niveau des 20 héros les plus joués sur le jeu, moi ce que j'aime bien c'est que je vous ai fait une vidéo l'année dernière pour vous dire le classement des 4 meilleurs personnages du jeu. On a qui? On a Tenebria Spectral, Emel Ilias. Je vous ai dit que pour moi c'était parmi les 4, c'était sans doute les 2 meilleurs, là, ils sont vraiment au coude à coude. Et ensuite, on a Apoc et Emel Kaverick. Pareil, je vous ai dit que c'était 2 très bons héros. Ça dépend un petit peu de la méta. Des fois, Apoc est plus présente. Des fois, c'est Emel Kaverick qui revient. Mais en tout cas, si vous avez pris ces 4 héros dans le MS 5 étoiles sélectif, vous ne vous êtes pas trompé parce que c'est 4 très très bons héros. Et ensuite, bon, on a toujours les 2 héros gratuits, hein. Adin et Harwell qui sont vraiment maintenus aussi dans ce peloton de tête. Pour des personnages gratuits c'est top, après bon on commence à pas en avoir marre de les affronter. Karina,
plus besoin de vous vanter les mérites du personnage, je l'adore, elle est très forte. Zio, on en parle beaucoup aussi. Zio, souvent je vous dis que c'est parmi le top 7 des ML 5 étoiles après ce gros top 4. On a Zio. Et ensuite, c'est vrai que maintenant il y a quand même Briseria. Briseria, je la comptais pas tant que ça. Mais c'est vrai que Briseria, maintenant, elle a clairement surpassé Belian. Elle a surpassé sans doute Lermia aussi. Lermia, grosse déception de cette saison. Hein. Lermia, regardez, on la voit plus du tout. Lermia a totalement disparu. Pourquoi elle a disparu? Bah, parce qu'en fait, elle est trop sensible à cette méta très agressive. Et en fait, Lermia, elle a besoin de 1 ou 2 tours de jeu pour pouvoir commencer à être efficace. Et en fait, la méta est tellement agressive qu'en 1 ou 2 tours, le combat est terminé. Et du coup, en fait, Lermia, elle n'a pas le temps de jouer. Donc ça, c'est quand même assez problématique. Après, Lermia, ça reste un personnage top tier en GBG, top tier en arène. J'utilise encore très très régulièrement. La mienne, elle est très forte. Mais pour la RTA, c'est vrai que maintenant, elle n'a plus sa place. Parce que on préfère prendre Briseria, terminer le combat en 1 ou 2 tours. Prendre Politis, Edward, Deran, Deamid. DLRK, LRK, on n'a même pas besoin d'en parler, le personnage depuis son up c'est n'importe quoi, c'est un tank qui protège toute sa team, qui a de l'immunité, du shield, et qui met midlife tous les adversaires en face, donc vraiment le personnage très très fort, et après on a quand même des classiques de la méta, DJ Bassar, Belian, Zac, Landy, donc ça change pas trop, en vérité... Je suis pas trop étonné de ce classement. Briseria, c'est vrai qu'elle a bien monté dans le classement, mais en vérité, c'est vraiment des héros qu'on voit assez régulièrement. Et puis bon, on a toujours ce peloton de tête qui est vraiment très très fort. Hâte de voir la saison prochaine ce que ça va donner avec le patch d'antiquilibrage. Il y a quand même beaucoup de nouveaux héros qui sont intéressants. Abigail a l'air ok. On a Jaco qui est devenu vraiment très fort, donc peut-être qu'on la verra un petit peu plus dans les héros pick. Il y a en vérité pas mal de héros qui ont été up, il y a aussi LQC qui a été up, il y a aussi ML Céline. Franchement, il y a quand même pas mal de bons héros, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la prochaine saison. Bon, et là ensuite, ça va être l'évolution au cours de la saison. Je pense pas que ça va trop changer. Hein. Bon, on a toujours le même peloton de tête, que ce soit en early, que ce soit au milieu de saison ou que ce soit en fin de saison. Alors là, non. Ah, c'est ça que j'adore. Je commence à parler un petit peu trop vite. Regardez, oh, Apocalypse Ravi, ah bah comme c'est bizarre en fin de saison, mais c'est exactement comme les 3 dernières saisons. Tout le monde me dit en début de saison, ouais, Apocalypse Ravi, moi je trouve ça plus si fort que ça, c'est devenu nul et tout, je la conseillerais pas vraiment pour les débutants, machin. Moi je trouve qu'Apocalypse Ravi, c'est trop fort, c'est trop chiant à affronter, ça a beaucoup de points de vie, ça se régène énormément, ça se serre push, ça résue, ça tape fort, ça joue solo pour tous les niveaux de l'aventure quasiment. Apocalypse Ravi, c'est trop fort, et regardez la fin de saison, quel est le héros le plus pic? Apocalypse Ravi, devant ML Ilias, devant Esténé, devant ML Kaverick, Apocalypse Ravi, ça reste un personnage incontournable, toujours dans le top 4 des meilleurs personnages ML 5 étoiles du jeu. Elle est vraiment très forte, il ne faut pas la sous-estimer parce que même si elle a beaucoup de counters, elle est très dure à affronter, surtout quand vous commencez à faire du PvP, si vous n'avez pas les bons héros et le bon équipement pour l'affronter, elle est très redoutable. À ne pas sous-estimer, je trouve, et cette fin de saison RTA illustre vraiment mes propos, puisque même si Apocalypse Ravi, on la voit peut-être un petit peu moins en début de saison, en milieu de saison, en fin de saison, elle est toujours là pour faire ses preuves. Et pourquoi c'est important de prendre ça en compte? Parce qu'en fin de saison, c'est là où les gens jouent le plus en RTA, c'est là où les gens tryhardent, ils ont envie de récupérer leur rang, ils ont envie d'être les mieux classés pour leur cadre, donc on sort les meilleurs héros les plus solides, et Apocalypse Ravi en fait partie pour sécuriser la plupart de ses drafts et la plupart de ses victoires, donc vraiment à ne pas sous-estimer ce personnage. Ensuite, on a toutes les informations, ça c'est aussi intéressant par rapport à toutes les données des fins de saison, les serveurs, etc. Au niveau de la Ligue Légende, donc là c'est la saison Irréductible, cet event s'est terminé, et ça c'est la saison Triomphe, il y a 2 saisons. Au niveau du global, bon, c'est à peu près pareil, toujours plus ou moins autant de joueurs, pareil pour Asie. Europe, on est passé de 9 joueurs. Europe Légende a seulement 4 joueurs cette saison, c'est vraiment très faible. On a vraiment eu une chute de joueurs légende, et au détriment bien sûr du Japon et de la Corée qui ont fait quand même 2 bonnes perfs, le Japon et la Corée, donc félicitations à eux. Au niveau des points minimum, donc cette fois-ci c'était beaucoup plus simple, enfin simple entre guillemets, pour atteindre le rang légende, puisqu'il fallait seulement 3740 points contre 3800, donc il fallait quand même 126 points de moins pour atteindre le rang légende, donc ça c'est plutôt pas mal. En vrai, ça avait l'air d'être un petit peu plus simple, après c'est jamais vraiment simple parce qu'on affronte toujours des gens qui sont très forts, mais en tout cas il fallait faire moins de combats pour être légende.
Au niveau du rang empereur, donc au niveau global, on a quand même 30 joueurs de plus. Au niveau Asie, 30 joueurs de moins, pardon, au détriment du serveur Asie, qui a vu ses joueurs monter de plus 40, à peu près 35. Au niveau Europe, ça a quasiment pas changé. Au niveau Japon, il y a quand même eu plus 7, donc ça c'est plutôt pas mal. Et au niveau Corée, grosse chute, puisqu'on a eu un moins 20. Après, ça s'explique en partie par la hausse aussi des joueurs qui sont passés de empereur à légende. Et au niveau des points, donc là par contre, très grosse chute. Hein. C'était assez simple en vrai d'atteindre le rang empereur cette saison, puisqu'il fallait seulement 3465 points contre 3610 la saison précédente. Donc finalement, ça a suivi un petit peu le rang de légende, voire même encore pire, puisqu'il fallait 145 points de moins par rapport à la saison précédente pour se qualifier au rang empereur. Donc c'était aussi une bonne saison pour essayer de viser le rang empereur. Ensuite, on a quelques petites indications au niveau des ligues. Donc il fallait faire 5 combats pour être bronze, une quinzaine pour être argent, plus de 50 pour être or, et quasiment aussi plus de 50 pour être maître. Donc ça se joue vraiment à pas grand chose entre les deux, ça dépendra de vos victoires. Compétiteur, il fallait 150 parties, quasiment 300 pour champion, donc on voit que ça change vraiment pas d'une saison à l'autre. Et par contre, pour empereur, il fallait quand même jouer plus de 1000 parties en moyenne pour être empereur, contre 1100 avant, donc quand même une bonne baisse. Et pareil pour légende. Par contre, légende, c'est quand même assez intéressant, puisqu'il fallait faire quand même 100 parties de plus que la saison précédente, alors qu'il fallait moins de points que la saison précédente. Et ça, je trouve que c'est quand même assez bizarre. Mais pourquoi pas. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va terminer tranquillement sur la vidéo patch note. Alors là, ça va être une vidéo très longue parce que forcément il y a le retour de la RTA, mais c'est pas très grave en vérité. On va regarder ça brièvement, il n'y a pas grand chose de nouveau à part peut-être les bannières. Petite animation au niveau de la RTA, maintenant quand on va affronter un joueur, on va voir la petite carte avec ce que je vous ai dit, on peut mettre les badges de 5 pièces à plus de 25 de speed, les badges de 1500 jours de connexion consécutive, etc., etc. Donc là, ce sera vraiment une dinguerie pour la RTA. Pour les joueurs qui sont très assidus sur le jeu, ça fera plaisir, je pense. Donc voici aussi le fond d'écran pour la prochaine saison de RTA. Franchement, je le trouve magnifique, avec bien évidemment le skin de LRK, j'ai hâte de tester tout ça. Au niveau des bannières, alors je rappelle que c'est la période de l'été, il va y avoir beaucoup de limités. C'est pas le moment d'invoquer, même s'il y a quand même des bons héros en RGB, c'est des héros que vous pouvez récupérer autrement ou à un autre moment de l'année finalement. Donc on a à partir de demain jusqu'au 29 juin la bannière de Pera ainsi que son artefact. Un bon héros qui revient en force en PVP, surtout en RTA. Après, je pense pas que ça vaille le coup de l'invoquer. C'est pas la bonne saison et surtout c'est un personnage qui demande énormément de vitesse. Si vous n'avez pas de vitesse sur elle, malheureusement elle ne sera pas assez efficace. Pour la semaine suivante, du 29 juin jusqu'au 6 juillet, pardon, on aura Senya, très bon héros aussi Senya avec son artefact, très bon artefact, à les récupérer en plus 30 si possible, parce que sur Senya c'est trop bien, mais comme Pera c'est pas la bonne période. Ils nous ont mis vraiment des bonnes bannières, mais c'est pas la bonne période d'invoquer, économisez plutôt pour les limiter, surtout qu'on a la nouvelle, la limitée de Luluka qui va sûrement bientôt arriver, donc faites attention à vos invocations, c'est pas le moment de tout perdre sur des invocations RGB classiques. Et durant exactement la même période, donc du 29 juin jusqu'au 6 juillet, on aura la bannière de Wayong et son artefact. Artefact pas très joué, pas indispensable. Wayong a un bon personnage pour aller one-shot des gros tanks avec Asset Torrent maintenant. Mais pareil, elle n'est pas indispensable et c'est absolument pas la bonne période de l'année pour invoquer des RGB classiques. Au niveau de la rotation mystique, donc à partir de demain et ce jusqu'au 13 juillet, je rappelle qu'on aura la bannière de Emel Rowena, le nouveau Emel 5 étoiles, et elle sera accompagnée de Général Purgis, qui n'est plus si intéressant que ça en vérité, même s'il est un petit peu joué, c'est pas le héros le plus populaire. Qui dit nouveau mois dit aussi rotation du coin shop, disponible du coup durant tout le mois de juillet, du 1er juillet jusqu'au 1er août, et on aura une très belle rotation puisqu'on aura Emelken, qui est un héros plutôt correct contre des choux, contre de Belian, ça reste une bonne réponse. On aura Piflan, personnage très cancer, très sous-coté. Je pense que ça fait partie des meilleurs ML 5 étoiles du jeu, notamment en RTA. Elle est très forte, heureusement que peu de gens l'ont, parce que je pense que s'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient, on en verrait énormément, surtout avec l'artefact de Cissaria. Elle demande quand même pas mal de conditions pour être jouée, il faut notamment l'artefact de Cissaria en plus 30 qui est un artefact limité. Du coup c'est compliqué, mais c'est un très bon héros, et ML Caverick, vous l'avez vu, top 4, indétrônable, de Epic Seven tout simplement, que ce soit l'RTA ou hors RTA, ML Caverick, c'est un intemporel. Au niveau des RGB, bon, c'est assez classique, ça ne nous intéresse pas trop ici, on aura Aria, Lilias, ainsi que Elena.
C'était Shuriken, j'espère que cette petite vidéo patch note assez dense vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao!